Et donc à savoir que s'ils ont un prix ici, ils auront un milliard dans l'au-delà. Parce que dans la vie, il n'y a pas un acte profane. Tout ce que tu fais, si c'est bien, tu auras ici, tu auras dans l'au-delà. Si c'est mauvais, tu auras ici, tu auras dans l'au-delà. Mais c'est d'abord sa femme. Oui, sa femme. Quand j'ai fait l'accident, j'étais encore ministre de la République. Mais le président de la République n'est pas parti me voir à l'hôpital. Sa femme n'est pas partie me voir à l'hôpital. À l'époque, je ne parlais pas le nom de son mari, mais elle est partie me saluer à l'hôpital. Ça m'a encouragé. J'ai appelé Fone Oussou. Je lui ai dit, Madame la présidente de l'UFDG a posé un acte. J'ai dit, je tirerai toutes les conséquences de cet acte. Après, je demande Fone Oussou. Deuxièmement, c'est l'humilité de votre président. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Mais il y a un adage de chez nous qui dit chez les sous-sous, que l'homme c'est comme l'avion. Plus il est haut, plus il est petit. Plus il est bas, plus il est grand. Si vous êtes humble, c'est Dieu qui va vous grandir. Et là, chez nous, c'est un homme humble et Dieu fera de lui le plus grand ici, Inch'Allah. Depuis 1992, je suis dans le combat politique en Guinée. Je peux vous dire, je n'ai jamais vu un homme populaire, un homme politique plus populaire que lui en Guinée. Je le dis. Jamais. C'est vous qui avez consulté l'UNR. La plupart des gens ici, quand vous avez dit bon conseil, la plupart des gens ici le connaissent. Ils savent. Nous, on ne tourne pas autour du pot. C'est là où le président Alpha Condé aussi s'est trompé. Dieu a tout donné. Mais une chose reste, Dieu ne lui donnera jamais ça. C'est de me manipuler comme il veut. Là, il ne pourra pas. Parce que je suis certain d'une chose. Tout ce qui nous fatigue dans la vie, là, c'est nous. Parce que Dieu a dit qu'on ne peut pas, il fait ça pour nous. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est nous qui allons partir, on délie un homme. Une fois qu'il devient président de la République, on fait de lui Dieu. Et Dieu a dit, si vous faites deux dieux, le Dieu là que vous avez créé vous-même, c'est lui qui va vous fatiguer comme Alpha Condé est en train de fatiguer le Dieu. Et le vrai Dieu, vous allez le trouver là-bas, lui aussi, il vous envoie dans l'enfer, que Dieu nous protège de cela. Donc, Elhadj, aujourd'hui, les Guinéens sont en train de vous comprendre. Mais pour terminer, je voudrais aussi, vous le savez, vous rappeler ce verset du Coran qui dit « Ya ayyuhal lazina amanu astahinu bisabri wa salawat wa inna allaha ma'a sabiri » Il dit « Vous les croyants, recherchez l'aide et l'assistance auprès de Dieu par la prière et la persévérance dans la patience. » Car Dieu aime les patients. Votre patience sera payée. Votre patience sera payée. Demandez aux gens d'ouvrir la porte de l'UFDG. Parce que les peuples disent Idi Hayata, votre Bendata, Dumkohan. Ils ont dit encore au Fouta, Bari Wakandu Nangata. Ce qui est étonnant, quand après cinq ans de gestion du pouvoir, si le président doit aller encore dire aux gens, moi je travaille.
pris la main. Après cette année, c'est le peuple qui doit dire le président travaille pour nous. D'ailleurs, notre ancien ministre qui a dit, j'ai vu que le président de l'UFDG, nous allons prendre l'avion pour aller regarder les réalisations de la Bakoni. Mais ça, c'est ridicule. Les réalisations de la Bakoni, c'est dans nos roches, c'est dans nos bâtiments, c'est dans nos maisons. C'est quoi les gens? J'ai reçu. Tiens-moi le message pour ça. Et j'ai reçu. Tout le monde saura que j'ai reçu. Donc vraiment, je vous remercie, je vous félicite. Je vous assure quelque chose. L'UFDG sera le plus grand parti politique de l'Afrique. Ce que j'ai vu avec Elias Luda Lengyando, j'ai rarement surpris sa soutien politicien. Je le dis après de longues expériences. Et quant à moi, j'ai toujours demandé à Dieu de me permettre de faire violence sur moi-même. Quand je me rends compte que je me suis trompé, de me mettre en garde à vous et demander pardon. Et là, c'est le dernier, je vous demande pardon. Merci.